Bonjour, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une méditation guidée sur le thème suivant, le souffle. Donc pourquoi cela? Pour la raison suivante. Messieurs, dames, on a parfois dans notre activité beaucoup de stress, d'anxiété, de troubles qui, lorsque l'on ne fait pas attention, nous causent des difficultés, des problèmes, des souffrances. Et sans une méditation pour nous apaiser, nous calmer et nous poser, ceci continue et nous font du tort. Donc le bienfait à faire une méditation comme celle que je vous invite à pratiquer ensemble ensuite, c'est de s'apaiser, de trouver un certain bien-être, ou du moins une absence de troubles ou d'anxiété ou de souffrance. Et c'est pourquoi faire cette méditation ensemble va nous permettre, si on est dans ce cas, de trouver ce fruit comme résultat. Donc c'est très simple, messieurs, dames. Prenez un temps pour ajuster votre posture, vous mettre sur une chaise ou au sol, assis ou en tailleur. Et une fois que vous avez trouvé votre position confortable et ajustée, vous pouvez commencer à méditer. Préalablement, avant de porter notre attention sur le souffle et la respiration que l'on effectue à chaque instant, je vous invite à observer votre posture, comment vous vous tenez. Est-ce que vous êtes avachi ou droit? Et au besoin d'ajuster votre posture dans la mesure de ce que vous trouvez juste pour vous. Si vous avez des tensions dans le corps, faites en sorte de prendre une position qui vous fasse sentir moins de tension dans le corps. Le but étant de, si on est avachi, de se tenir droit. Laissez vos épaules se détendre. Positionnez vos mains de manière à ce qu'elles soient dans une position qui vous soit confortable, comme les mains posées sur les genoux ou dans le geste d'une main dans une autre. Au niveau du nombril ou toute autre position qui vous semble correcte dans la mesure où vous ne souffrez pas du positionnement de vos mains. Que vous avez pris position et que vous êtes assis ou en tailleur et que vous avez ajusté votre posture, que votre position est droite, que vos épaules sont relâchées et que vos mains sont positionnées dans une mesure où elles ne vous font pas défaut. Commencez à observer le souffle. Observez la sensation de l'air dans les narines, à l'inspire, à l'expire, à l'inspire et à l'expire.
observez le mouvement naturel de votre souffle. S'il est rapide, il est rapide. S'il est lent, il est lent. S'il est ni rapide ni lent, il n'est ni rapide ni lent. Observez ensuite la détente qui peut apparaître dans votre corps une fois que vous êtes attentif à votre souffle. Si vous observez des sensations agréables, observez des sensations agréables. Si vous observez des sensations désagréables, observez les sensations désagréables. Et si vous n'observez ni de sensations agréables ni de sensations désagréables, observez que vous ne voyez de sensations ni agréables ni désagréables. Si vous n'observez plus de sensations et que vous êtes parti, revenez à l'observation de votre souffle. Observez si vous êtes toujours attentif à votre souffle ou si vous êtes parti sur une pensée. Et si c'est le cas, veuillez vous recentrer sur votre souffle. Observez la sensation du souffle dans vos narines et la sensation qui en découle du fait d'observer le souffle entrant puis sortant de vos narines.
Si vous observez que votre posture n'est plus ajustée et correcte, ajustez doucement votre posture de manière à ce qu'elle soit correcte et juste. Puis reprenez votre observation du souffle entrant et sortant de votre nez. Observez le bienfait que vous pouvez éventuellement rencontrer en observant votre souffle et en étant calme. Si l'agitation est trop forte en vous, apaisez-vous, revenez à l'observation de votre souffle au bord du nez. Observez votre souffle. Observez si des pensées vous traversent, de revenir à votre souffle. Et ainsi, recentrez-vous sur votre souffle. Éventuellement, si vous êtes suffisamment attentif à votre souffle, voyez à rester concentré sur votre souffle et à laisser passer les pensées. Sinon, reprenez sans cesse votre observation à rester attentif à votre souffle. Et les pensées, ne vous en préoccupez pas.
Si vous observez suffisamment votre souffle, observez ensuite la sensation qui découle de l'observation de votre souffle. Ainsi, laissez passer cette sensation et apaisez-vous. Apprenez à rester attentif même si les sensations sont présentes. De même, restez attentif même si les pensées sont présentes. Et encore, si des images vous apparaissent, restez encore et encore présent à votre souffle. Comme des bulles remontant à la surface de l'eau. Ou un éclair traversant le ciel. Ou la lueur d'une bougie vacillant légèrement. Puis sortez progressivement de votre attention au souffle. Et observez le calme apparu en vous. Remerciez pour ce cadeau que vous vous faites en prenant soin de vous. Puis reprenez vos activités. Détendez-vous légèrement les membres. Et souriez à vous-même. Voilà, messieurs, dames, cette courte vidéo sur la méditation sur le souffle, comment procéder et le bienfait que l'on y trouve ensuite. J'espère que cela vous permet maintenant d'apprécier un peu mieux le calme, l'apaisement, le contentement, la satisfaction d'être avec vous-même et peut-être que pendant ne serait-ce qu'un instant, vous n'avez plus rencontré de souffrance, de problème ou de trouble. En tout cas, j'ose espérer que cela est bénéfique pour vous. Et puis, n'hésitez pas à refaire cette méditation dès lors où vous sentez un peu d'agitation, de trouble, d'anxiété ou de stress en vous. Et
vous accorder cette méditation pour vous apaiser, vous tranquilliser et vous permettre d'être un peu mieux le temps d'un instant. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une bonne journée, de faire ce qui vous plaît et d'être heureux. Bonne journée.